C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Haaland au Barça. D'après les informations du D-Sport, le FC Barcelone rêve de recruter Erling Haaland. Et pour avoir toutes ses chances, Juan Laporta, le président du Barça, avancerait différents pions. La bataille promet d'être rude pour Erling Haaland. Aujourd'hui, à Dortmund, le Norvégien pourrait et devrait s'en aller à la fin de la saison. En effet, à l'été 2022, Haaland disposera d'une clause libératoire fixée de 75 millions d'euros, de quoi intéresser les plus grands clubs européens. Le PSG et le Real Madrid seraient très intéressés, mais dernièrement, c'est le FC Barcelone qui semble le plus avancé. Juan Laporta, président Blaugrana, a rencontré Raiola pour discuter d'un transfert d'Erling Haaland. À voir maintenant si le Barça réussira à le recruter. Selon Sport, pour recruter Erling Haaland, le FC Barcelone veut mettre toutes les chances de son côté et comme souligne Mundo Deportivo ce samedi, c'est peut-être pour cela que le club catalan s'intéresse aujourd'hui grandement à Nusar Mazraoui, latéral droit de l'Ajax Amsterdam. Le Marocain a un point commun avec Haaland, celui d'être géré par Mino Raiola. Recruter Mazraoui pourrait donc servir à améliorer encore plus les relations avec Raiola et servir ainsi de premières étapes avant un transfert d'Haaland au Barça. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée d'Haaland au Barça est vraiment une bonne idée? Au fait les amis, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.